Now to the team lineups. First four, Turin, Lawson, Kitty, Pavia, Da Silva, Ruska, Cerici, D'Agostino, Ranotti, Otto, Gerno, Morosi. And four. So let's just take another look at that one. Bonjour, ici Cyril Linette. Notre invité Stéphane Guivarch se chargera de l'analyse des phases de jeu du match aujourd'hui. Comment allez-vous, mon cher Stéphane ? Bonjour Cyril, je vais très bien et merci de votre invitation. Coup d'envoi. Allez, voyons ce que ces deux équipes vont produire. Tomer. Dans l'axe. Interception. Et il joue en profondeur. Ballon dans l'espace. Tir cadré. Et c'est le but. Et la première mi-temps ne fait que commencer. La Juventus marque dans les toutes premières minutes. Fantastique, exceptionnel. Que pensez-vous de ce but, Stéphane ? Il devrait les libérer un peu plus dans le jeu. Oui, sans aucun doute. Voilà le but. Correct. Ballon en profondeur. Il doit profiter de sa liberté de mouvement. Il décide de centrer tout de suite. Attention, la tête. Le cadre se dérobe. Morera. Passe dans l'espace. Ça passe à droite. Bonne frappe. Et le gardien s'arrache et dévie le ballon. Bon ballon, à nouveau. Tacle impeccable. Il faut faire le bon choix. On se rapprochait de la surface. Mais le joueur... Une chance d'égaliser. Roll. Ça sent l'égalisation. Corrido. Voici une action bien engagée. Il intercepte le ballon. Le joueur centre. Reprise de la tête. Et le but. C'est aucune chance, strictement, au gardien. Cher consultant, cette action valait le coup d'œil, non ? Oui, c'est un centre parfait avec une très très belle finition. Et un super travail de l'ailier. Bien acharné. Une longue balle vers l'avant. Et l'arbitre siffle la fin de la rencontre. La Juventus repart avec un match nul. Quelles sont vos conclusions sur le match d'aujourd'hui, Stéphane, rapidement ? Sans commentaire. Ah, mais voilà qui est bref.
Et nous allons devoir rendre l'antenne, mais pas avant bien sûr d'avoir remercié Stéphane Guivarche pour ses analyses pertinentes. Merci Stéphane. Tout le plaisir était pour moi, à bientôt. Ici Cyril Ninette, votre commentateur, mais ne partez pas bien sûr sans avoir jeté un coup d'œil au grand moment de cette rencontre. À bientôt. À très bientôt.